Pour suivre également Dieudonné Dizzy, le Rwandais, qui va donc vous essayer de faire un miracle pour voir si tout se passe bien. Jean-Pierre, est-ce que vous nous recevez sur le zone de départ? On attend Patrice, il n'en a pas. On va essayer de voir si la scène ça marche. Voilà, donc sur le moteur, on va c'est bon, on entend. La départ dans 2 minutes. Et je voudrais vous souhaiter à tous les amis qui allaient participer au semi-marathon international de Lille, nous allons vous souhaiter une bonne chance. Le lièvre chez les féminines sera Irda Lakal, qu'on connaît bien à Lille. Chez les messieurs, ça sera à applaudir, hein. Et chez les messieurs, ce sera Manza. Regardez la Fernanda, elle est championne olympique. Elle a été championne olympique numéro 72, là. Elle est portugaise, Fernanda Ribeiro, championne olympique en 1996. Et c'est un honneur et un plaisir que de la voir. Elle est très, très concentrée. Et puis, nous avons quelques-uns des meilleurs coureurs. Départ dans 1 minute. Nous avons quelques-uns des meilleurs coureurs mondiaux qui sont présents cette année. Et puis, il y a vous. Vous êtes au total dans les toutes les courses, vous serez 9000 participants au semi-marathon de la braderie, aux 10 km de la braderie. Lille qui est devenue une capitale incontestée du sport et nous en sommes heureux. On vous souhaite bonne chance. Attention, il y a un coureur qui est en train d'arriver tardivement. Maintenant, le voilà. Il s'agit de Nicolas Manza, c'est le lièvre, oh pardon, il vaut mieux qu'il soit présent aujourd'hui même. Alors attention, appuyez bientôt sur vos chronos, parce que le départ ne va pas tarder à être donné, c'est parti. Et avec un départ de Manza, le lièvre, qui vient donc d'imprimer un rythme exceptionnel à cette épreuve. Regardez cette masse de plusieurs milliers de concurrents qui prend le départ actuellement. Allez, on vous salue, on vous souhaite bonne chance dans le cadre de ce semi-marathon. On sait que chacun mène son aventure personnelle, une aventure exceptionnelle avec les applaudissements de tous les officiels sur la tribune. Et regardez, c'est un déroulement incessant de concurrents qui est en train de se dérouler devant nous-mêmes avec des petits drapeaux, des petits fanions, les spectateurs qui sont également sur les balcons en face. Et puis on vous souhaite bonne chance, conditions climatiques idéales pour prendre du plaisir et pour réaliser de belles performances. Vous serez 750 concurrents de plus que l'an dernier. C'est un succès, je sais que Paul Besson, le président du comité d'organisation, et ces centaines de bénévoles sont particulièrement heureux. Mais regardez, salut les gars, allez, bon courage à tous. C'est la fête aujourd'hui à Lille. Et après, il y aura la braderie. Il y aura 2 millions de spectateurs qui viendront participer et d'acteurs à la braderie. Et on a vu que vous appuyez sur votre chrono au moment du passage sur la ligne de départ. Allez, salut à vous. Oh là là, ça fait un bon moment déjà. Oh là, attention. Attends, la scène, on te prendra après. On te prendra après la scène parce qu'on veut commenter la fin de course. Voilà, bon semi-marathon.